Ouais, pêche quand je pêche, ouais. Détruit frère. Carla, Brunet, Jodla, Grata, Sarko, Z. C'est lequel? C'est celui-là, ouais. Ah, faut appuyer sur Gunsmith, c'est my bad, les gars. Ils sont tellement chiants, mon dieu. Yo yo yo, salut. It's Instinct. Les gars, n'oublie pas de liker, voire même de te sub si t'aimes bien ma chaîne, si t'aimes bien ce que je fais. Et ouais, c'est gratuit, mec. Ce serait cool. Je voulais vous dire aussi, j'ai une nouvelle chaîne YouTube, ça sera du multigaming dessus, hein, donc tout ce qui est jeu en solo, tout ce blabla quoi, tu vois, des let's play, des gameplay, des découvertes, enfin ce genre de truc, tu vois. Donc ouais, si jamais vous êtes intéressé, je mettrai ma deuxième chaîne en description et vous pourrez aller jeter un œil si jamais vous êtes intéressé, les gars, par ce genre de contenu. Bon, je suis sacrément en retard sur... absolument tout ce qui passe sur Call of. Néanmoins, j'ai eu un peu d'infos parties par là. Ça, apparemment, ça peut devenir un sniper. T'as fait du one shot, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Offers the best increased range. Oh! Recoil control and damage range. Alright, alright, hey, got it. Apparemment, ça fait un genre de sniper, quoi. Ok. Moi, je veux voir ça. Si jamais vous voulez le tester, et que vous n'êtes pas au courant que la poignée est désormais débloquable, ou le truc là, Le kit qui disent, vous allez en haut dans Event, ensuite en bas dans Challenge Semaine, et ensuite en haut dans la semaine 3 des Challenges. Et ensuite vous devez faire 5 Challenges il me semble. Et ouais, c'est tout ça, c'est easy en vrai. Et si vous voulez pas vous faire chier, si les Challenges sont les mêmes et ne changent pas, parce que je sais pas comment ça marche, vous jouez avec la SMG, donc une PM, la Rival 9, et littéralement vous devez juste jouer avec ce gun, et puis les Challenges se feront tout seul quoi. Bon, allons débloquer cette poignée. On peut pas regarder à gauche à droite parce que Call of Duty et Activision ils sont coincés du cul. Tu stun et tu meurs comme une grosse. Oh. Ah, je pue de balle. Bon, je sais pas ce que tu fais, frère. On sait pas ce que tu fais dans ta vie, mec. Je veux pas monter en haut, mais vas-y, ok, si tu veux. Y'a rien en haut, frère, laisse-moi. Ah ouais, balance ton joujou. Je préfère balancer des choses de tuer lui-même, frère, PTDR. Vive 2024, hein. Couché. Putain, c'est full bug, là. Bon, pour être safe, on fait encore 2 kills. Ah, challenge complete, c'est quoi? Je suis en train de lire, laisse-moi, frérot. Bon, c'est bon? Bon, voilà, c'est débloqué, c'était rapide. Alos, Fantastico 7, Bullet Velocity, Damage Range, et Mega de Stabilité, ok. Split Fire Speed, MZ Side, Movement Speed, Sprint. Ah ouais, putain, c'est tout ce qui est vitesse, quoi. Merde alors. Du coup, par contre, on a Bullet Velocity et Damage, ouais, c'est ce qui fait les snipers, ok. Je suppose, on va laisser Bullet Velocity quand même, la vélocité quand même et tout ça, les Damage Range. Parce que je suppose que le gun, il va être quand même assez weak. Bref, du coup, ça me laisse mettre un scope de dessus. Lucas, c'est toi? Banderascope, on passe de 3.7 à 8. Est-ce qu'on utilise le 3.7 ou quoi? Bon, je vais essayer le Bandera, on va voir ce que ça donne, guys. Apparemment, j'ai entendu dire que t'es quand même assez slow avec ce Magnum. Je vais mettre ça pour aller plus vite, pour bouger un peu plus vite, quoi. On va essayer comme ça, voir comment il se gagne. Je vais le tester avec vous, hein, directement. On va le tester direct, les gars. Et j'ai pas snipé depuis, hein. Depuis ma dernière vidéo ici là sur YouTube. Donc ouais, bah allez, c'est parti. Et puis du coup on va aller jouer sur la nouvelle map Rio que je n'ai pas testé. Bon, let's go, on va tester ça. On va viser, vraiment je m'applique parce que je suis pas habitué. Je suis pas trop habitué avec tout ce qui se passe en vrai. Ok, c'est pas ma faute si je l'ai raté là. Je regardais le radar en vrai. Bah sniper hein, man. Toi. Help me. Il va où lui frérot? Avec le nouveau attachement.
Et bah le gun c'est un gun totalement nouveau et du coup plus le scope dessus ça fait très bizarre. Merde. Je croyais que c'était un teammate, je croyais que c'était un ennemi avec ses trucs lui là. Ouais du coup c'est une nouvelle map pour moi, mais c'est sorti ça fait quelques jours je crois. J'ai vu qu'il y avait ce truc là qui est débloquable maintenant. Il était pas débloquable il me semble avant. Putain à chaque fois lui là il m'en fout, je le confonds avec des amis à chaque fois. La vidéo il m'en fout. Regarde-le lui, regarde-le le kéké avec ses flammes là, regarde-le. Ah mais j'ai l'impression que tu te fais dézinguer beaucoup plus vite maintenant, non? Ça fait un mois que j'ai pas joué au jeu. Qu'est-ce que tu fais là toi mon ami? Me dis pas que t'as fait le tour par derrière frérot, why? Ok il est down, il est mort, y'a un mec derrière! Pourquoi t'es encore là frérot? 75%! T'aimes bien le... T'aimes bien la promotion frérot, c'est comment? Ok. Un peu difficile à prendre en main lui en vrai. Oula, faut que je me barre d'ici un petit peu quand même. Hein. Marqueur. Ok, on a lui. Ok, derrière moi, peut-être. J'ai un feeling là. Ok, on recherche là. Ok, j'avais un feeling, mais il est un peu trop tard le feeling frérot là. Ouais, balance tout ce que t'as sur toi! Tu te fais 3-6. Tout ça pour te faire 3-6, je veux dire, mec. Arrête. Arrête de balancer des trucs et joue aux jeux vidéo, frérot. Toi aussi. C'est pas le même, non? On continue. Oh my god, il est trop chelou ce gun! Oh, oh là là! Oh! Mais premier, une plombe à. Oh my god, quoi? Ah, ça qui peut. I'm not doing so hot myselfing. C'est la première fois que je balance un UAV. PTDR frère. Plutôt cool de sniper avec un magnum, avec un scope dessus. Ma foi, c'est plutôt original. Hein. Super. Bon, kit confirmé malheureusement. On est en deuxième game là du coup. Allez, tu m'as tué là. My god. Ah. Hit marqueur. Je connais pas trop la map, les gars. Vous me pardonnerez. Je connais pas trop les spawns et tout. Surtout en kill confirmé. Stran Grenado. On charge. Non. T'en charger frère. Écoutez, je suis encore en train un petit peu de m'habituer au gun hein les gars. Donc vous me pardonnerez. On y va vraiment à froid là du coup. Ou à chaud, je sais pas trop comment on dit. Il y a des gens par là. Ok, on a eu lui. Plus personne ici, peut-être ici du coup. Ok. Je connais pas les spawns, je sais pas où ça respawn du coup. Ma caméra elle a l'air assez slow, je ne sais quelle raison. Putain, teammate, tu fais perdre du temps, voilà. C'est un peu compliqué pour moi parce que je fais que de laguer en vrai, les gars, depuis que j'ai recommencé un peu à jouer là. J'ai que des paquets de burst, c'est full paquet de burst. Oh, ok, je me demande s'il était low lui. Ok. Ok, je sais pas trop les spawns malheureusement. Ils spawnent par là, je suppose. On a peut-être swap, non? Ah ouais, c'est vrai qu'ils spawnent par là aussi. C'est vrai. Ah ouais, lui, il est toujours au fond de map, frérot. On sait pas ce qu'il branle. Il y avait un mec ici, non? Ok, je vais recharger. Le temps. Hein? Ah, c'est full bug, hein, c'est compliqué. Hein.
Ah ouais, non mais là c'est limite un job quoi. Marqueur. Franchement, il est super clean à jouer, hein. L'ADS speed, donc la vitesse du scope, magnifique. Tu peux pas aller plus vite frérot, ça fait plaisir franchement. Bon, guys, écoutez, ce Magnum slash sniper, il est plutôt fun en soi. Bon, c'est marrant pendant quelques games, tu vois, histoire de tester un peu de nouvelles choses. Tu vois, et puis vous showcase à vous un peu des choses nouvelles du coup. Et puis ouais, franchement, sinon overall, c'est assez fun. J'ai eu un fun time en jouant ce Magnum Sniper. Et ouais, franchement, c'est plutôt bon. Bon, ça sera tout pour moi ici. C'était Instinct. Je vous laisse là. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, les gars. Salut. Prenez soin de vous.